La tournée républicaine du chef de l'État dans la province du Volontem, le président de la République, chef de l'État, Libongo Ndimba, s'est rendu à Bitam dans le département du Ntem, où il a délivré un message important sur l'unité des filles et fils du département. Ali Radjumba, Armand Mupende, Hervé Mangumba. C'est avec des messages de soutien et des mots de bienvenue que les populations de la ville de Bitam ont accueilli le président de la République, chef de l'État, Libongo Ndimba. Malgré la forte chaleur qui a régné dans le chef-lieu département du Ntem, chacun a tenu à être là pour témoigner son attachement et sa considération au président de la République, chef de l'État Libongo Ndimba, pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour le pays. Dans un message clair et limpide, Libongo Ndimba a demandé à ses compatriotes s'il était toujours de Bitam. Est-ce que je suis toujours chez moi à Bitam? Oui. Est-ce que je suis toujours chez moi à Bitam? Oui. Est-ce que j'ai des parents et des amis ici à Bitam? Lors de cette rencontre républicaine, le président de la République, chef d'État Libongo Ndimba, a une fois de plus invité ses compatriotes à l'unité. Moi, je veux voir l'unité ici à Bitam. C'est l'unité que je veux voir ici à Bitam. Je ne suis pas venu à Bitam pour encourager le désordre et pour encourager les gens qui ne sont pas unis. Je suis venu vous dire que moi j'aime les gens qui sont unis et qui se travaillent ensemble. Voilà ce que moi j'aime. Déterminé à poursuivre le développement du pays et à améliorer les conditions de vie de ses compatriotes, le président de la République, chef d'État Libongo Ndimba, a invité une fois de plus les filles et les fils du département du Ntem et partant du Gabon à prier pour le pays. Travaillons ensemble, prions ensemble. Prions ensemble pour le développement de notre pays. Prions pour que Dieu continue à être clément avec le Gabon. Prions pour que Dieu continue à bénir le Gabon. Prions pour que Dieu continue à mettre le pays en paix. Prions pour le développement du Ntem. Prions pour le développement du Wolentem. Et prions pour bâtir un Gabon fort et prospère. On retiendra de cette étape que le président de la République, chef d'État Libongo Ndimba, a invité ses compatriotes à l'unité au rassemblement afin de développer ensemble le pays.